speed. Et vous devez abandonner les cocottes. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Aujourd'hui, c'est pas un jour comme les autres, c'est l'anniversaire de ma maman. Voilà. Donc, je suis très très contente. Elle vient à la maison
Et du coup, voilà, on va prendre un bon repas. Et puis on va profiter du jardin parce que ben, si, il fait beau quand même, hein. Il fait super beau. Non, on voit plus. On voit plus. Si, on voit. Bref, il y a de la lumière, il fait beau, le ciel est bleu, donc tout va bien. Voilà. Et puis voilà. Ouais, on va mettre une casquette. Ouais. Ouais, parce que là, je sais pas combien est l'indice UV, mais à mon avis, il n'est pas à 2, quoi. Hein. À mon avis, on est Il y a bien 6. sur. Ouais, bien 6, ouais. 5-6 à peu près. Bref, voilà. En tout cas, pour les nouvelles, le site avance bien. J'ai modifié quelques trucs sur le site, donc voilà. Je suis en train de perfectionner un petit peu. Voilà. Et puis aujourd'hui, j'ai donc l'infirmière qui vient et c'est le dernier jour du suivi post-opératoire où l'infirmière vient. Donc voilà, après il n'y aura plus de suivi, les points vont tomber tout seuls et tout. Donc c'est vraiment, vraiment bien. Hein? T'es contente? Ouais. C'est le dernier jour pour son suivi. Ouais, c'est pour son suivi post-opératoire par rapport du coup au problème ORL. Et voilà, on est très, très contents parce qu'au final le post-opératoire se passe très, très bien pour mademoiselle. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Voilà. Sinon, les plantations, ça y est, ça commence progressivement à pousser. On voit les petites tiges comme ça qui commencent à pousser dans le jardin. Donc c'est super mignon. Voilà. Les cocottes sont en pleine mue. Du coup, il y a des plumes partout. Voilà. Voilà. Mais il y a des plumes partout. Elles sont en train de faire la mue des 18 mois. Donc, vivement qu'on puisse avoir des œufs, quoi. Avant-hier, je crois qu'il y avait 2 œufs. Et puis, on a changé aussi l'alimentation. On a varié un petit peu plus l'alimentation. Et puis, on a acheté des mélanges de grains parce qu'à la base, elles avaient des granulés. Et là, on a mis vraiment des mélanges de grains et tout et tout. Voilà, donc c'est spécial pondeuse, il y a un petit peu de tout dedans et aussi des petites coquilles de coquillages et des petits trucs d'huîtres et tout en plus des grains qui permettent de solidifier la coquille d'œuf. Voilà, donc parce que là ça commençait à être un petit peu mou, on voyait en fait que ça se ramollissait un petit peu et tout, on s'est dit oula, va falloir qu'on les complémente un peu. Et bon, au final, voilà, ça devrait aller. Bébé a le nez un petit peu plein, voilà, donc il respire plus par la bouche. Mais bon, lavage de nez et tout, hein, voilà, on est un peu tous pris du nez. Le pollen a l'air quand même assez conséquent en ce moment, hein. Donc voilà, c'est. Ouais, étant donné qu'on est à la campagne, on a plus de pollen que quelqu'un qui vivrait à la ville. Mais bon, après, je préfère le pollen plutôt que la pollution, hein. On prépare aussi un projet concernant un futur local professionnel. Voilà. Donc voilà, c'est aussi une très très bonne nouvelle. C'est un passage assez important dans la vie d'auto-entrepreneur. Et c'est vrai que ça serait plutôt cool d'avoir un endroit vraiment neutre où je puisse recevoir mes clientes qui c'est pas chez elles. Et c'est pas chez moi en même temps, tu vois. Voilà. Et ça sera un endroit un petit peu cocooning, un petit peu, tu vois. Voilà. Donc j'ai hâte, là aussi. Je suis en train de préparer aussi les visios groupées pour le mois de mai, puisqu'il y en a deux. Visio groupée sur. Le premier, c'est sur la fertilité. Enfin, la fertilité, le cycle de la femme, le cycle féminin, tout ce qui est au niveau des règles, ovulation, cycle, lune, enfin tout ça, voilà, et fertilité en même temps, enfin il y a plein de, voilà. Et puis en même temps, après, quelques jours après, il y a aussi un visio groupé sur l'allaitement et ses difficultés. Parce que j'ai tout autour de moi des mamans qui parfois se retrouvent avec des difficultés au niveau de l'allaitement. Et étant donné que j'accompagne aussi les allaitements, en plus du reste, ben je trouve que c'est plutôt un sujet assez intéressant à aborder.
Ouais. Au mois de juin, normalement, je devrais aussi animer un cercle de femmes avec Cynthia, qui est dans le village d'à côté, qui est une dame avec qui j'avais déjà fait un cercle de femmes, mais j'étais en tant que cliente. Là, je vais être en tant qu'invitée d'honneur. Donc, je suis plutôt contente. On va le faire ensemble. Et pendant ce cercle de femmes, on va parler de l'accouchement et du postnatal, sujet quand même assez important quand on accède à la parentalité. Donc voilà, c'est aussi tout ça à organiser et je pense que ça va être super, vraiment. Sinon, en ce moment, on est en train aussi d'organiser des rencontres entre mamans, entre auto-entrepreneurs. Voilà, c'est plutôt pas mal. J'ai très très hâte de vous montrer tout ça, mais je suis sûre que ça peut vous plaire. Voilà. Bah dis donc, tu ronfles. Petit cœur. Petit cœur en ce moment d'ailleurs, ça y est, Manu Taï commence à vraiment bien sourire. Il suit du regard, il est éveillé. Voilà, il tient de mieux en mieux sa tête quand il est sur le ventre. Ma maman devra arriver d'ici pas longtemps aussi. Et l'infirmière. Et l'infirmière aussi devra venir. Ouais, les deux doivent arriver pas loin. En même temps. Ah, je sais pas si elles vont arriver en même temps. J'espère pas parce que sinon, convoi exceptionnel! Non, je sais pas. Oh là là, mon Dieu, ses cheveux longs. Il a les cheveux longs. Il a les cheveux super longs, c'est un truc de fou. Joyeux anniversaire! Ouais! Je suis née le même jour que la reine Elisabeth.